rounded out to a solid and sturdy 30. 10 out of Haywood, thanks to unabated gang wars. One officer down, so I guess you're all screwed, because the NCPD will not let that go. Cyberpunk. Expression de SF qui consiste à se propulser dans un futur alternatif. Untun ne se serait pas passé comme on l'aurait rêvé. Oui, ça a fait le buzz et Monsieur K va donc sacrifier de sa petite personne pour aller lui aussi dans Cyberpunk et vous donner ses impressions, bien que j'y reviens plus tard. This has been your man Stan. Join me for another day in our city of dreams. Bon, ça c'est plutôt pas mal. On a trois profils déjà qui vont être différents et vont nous offrir des scénarios qui ne sont pas exactement les mêmes. Donc du coup on a une jouabilité, c'est une rejouabilité et ça c'est vraiment cool. Alors, oui, je vous vois venir, bande de grigou. Je vous vois venir. Le turfu, ses odeurs de sueur et d'huile frelatée bon marché. Allez bien que Monsieur Cassette et qu'il y aille. Et donc aujourd'hui, à mon tour de vous faire voir ma découverte de Cyberpunk 2077. J'y vais avec tous les a priori nécessaires, puisque j'ai déjà vu tourner le jeu pas mal de fois et franchement, j'ai déjà... Si on m'avait demandé, j'aurais déjà eu des choses à redire. Et là on se trouve où? On se trouve au bistrot, puisque le bistrot c'est le meilleur endroit pour sociabiliser quand on n'a pas le Covid. Je vous présente ma femme, Maurice, dans Kirk, et je vous ai réservé une petite surprise. Pourquoi? Parce que je vous ai réservé une petite surprise, je vais quand même pas spoiler. Ça va gros? Comment ça va? En dehors des affaires? J'ai des emmerdes avec mon neveu. Il a décidé de traîner avec un gang, il dit que c'est un métier d'avenir. Ça alors, malgré tous les gens intègres et exemplaires dont tu l'entoures depuis qu'il est petit? Tu piges pas, il est pas comme moi. Tu veux dire qu'il est honnête, droit et qu'il paie ses dettes? Mais tu brises le cœur. Bon allez, je me casse. J'ai préalablement activé une mission, il faut que j'aille voler une caisse. Et oui, il faut déjà que j'aille voler une caisse. Bon chérie, on se fait la bise? On se voit ce soir? Eh, tu mets des trucs sexy, hein? Pourquoi je tease? Ah, vous allez voir. Vous avez entendu ma voix de meuf? Eh ouais. Elle vous plaît? On veut que ça dure. Tu l'as revu après ça? Oh, regarde-moi ce boule! Si tu veux rajouter un tatouage, toi, je sais pas comment tu fais. Pas super expressive, la demoiselle. Ça s'ouvre, ça? Non, je ne sais même pas ouvrir une porte dans le futur. Dans le futur, je suis une nouille absolue. Je peux courir? Non. Enfin, je trouve la touche pour courir quand même, ça va être utile, j'imagine. Alors, il y a du monde dans ce bar. Oui, c'est un espèce de tripot avec toutes les fripouilles de quartier qu'on peut imaginer. Oh, des jeux. Quadrasseur. Attendez, je regarde les trucs, moi. Road Race. Oh là là, elle est en panne, celle-là, merde. Ah, c'est les deux mêmes jeux, en plus. C'est arnaque. Oui, j'aime bien jouer aux jeux d'arcade dans les jeux. Et donc, je vais découvrir, en même temps que vous, le dehors. Oui, grand moment. Alors, je vous rappelle qu'on est sur une config assez musclée. Et donc, le jeu n'a aucune raison de ramer. C'est pas une question d'argent. Hé,
Je vois aucun citron ou citron vert. C'est quoi ces conneries? Ça là, on cherchait, hein. Le moment découverte, c'est maintenant. Donc, ce jeu tourne sur une machine à base de Core i9 avec une 2080 Ti aux fesses. J'ai descendu mon habituelle résolution QHD en 1080, histoire que ce soit 100% fluide. Et si vous regardez bien, le RTX est activé. Oui, honte à moi, je fais travailler, je consomme beaucoup d'électricité en plus, juste pour avoir des reflets à la con et voir bien comme il faut les reflets dans les vitres. C'est idiot, mais je teste et je vous montre. Je suis là pour ça. Machin. Tiens, tiens, regardez qui voilà. V, ça fait un bail. Je savais pas que t'étais dans le coin. Je suis rentré d'Atlanta il y a quelques semaines. Je vois que t'as eu droit à un accueil maison. C'était comment dans l'Est? Je te raconterai plus tard. J'ai un truc à faire. Si tu me racontais maintenant, on va te déposer. Marcus, on y va. Oui, je suis complètement con, je ne sais pas monter dans une voiture. Je voulais monter devant et l'autre il m'a coincé. Oh, ça commence super génial. J'ai toujours pas trouvé la touche pour courir. Si, ça y est. Où est-ce qu'on va? Dans le Glen. Dépose-moi à Lambers. Devant? Prends la bretelle derrière le bar. Je te dirai où t'arrêter. T'as entendu, Marcus? Le retour à Night City s'est bien passé. T'as déjà du boulot. J'ai des plans par-ci, par-là. Rien de très gros. Mais je m'en sors. C'est gentil de t'inquiéter. Alors, ça a pas marché comme tu voulais à Atlanta, hein? Je suis de retour, comme tu vois. Si ça avait été mieux là-bas, je serais resté. Tu sais, c'est peut-être mieux comme ça. Sébastien Ibarra. C'est mon jour de chance, on dirait. Qu'est-ce que tu veux? Qu'on règle cette histoire. Une fois pour toutes. J'ai une offre à te faire, papy. Alors, écoute bien. Tu te tires de Vista, et tu retires tous tes connards de la rue. Je te file le Glen, et on n'en parle plus. Tu pourras enfin dormir tranquille. T'as vu? Je suis sympa, non? Alors, papy, t'en dis quoi, hein? J'ai une contre-offre. Tu retournes poser ton cul dans ta caisse et tu te barres tout de suite. Et ta mère qui vit sur Paralo servira en pleine forme demain matin. Le Seigneur veille au grand cabron. Fais gaffe, padre. Tu sais jamais qui te pointe un flingue dans le dos. Pareil pour toi, petite merdeuse. Vas-y, Marcus. Je savais où il m'a traité de petite merdeuse. Vous êtes témoins, les amis. Oui, je m'oufte pas trop pour vous laisser vous immerger dans le jeu, vous aussi. Puisque l'instant découverte, c'est ce qu'il y a de meilleur, quand même. Atlanta t'a cassé. Comment ça? Tu sais ce que je veux dire. Et la découverte risque de ne pas durer. D'ici une semaine, il aura disparu et quelqu'un d'autre prendra sa place. T'as menacé avec son crasheur. Je veux. Et il va le payer, ça, tu peux me croire. Oui,
Arrête-toi là. C'est bon. Je vais descendre ici. Tiens, avant que tu ailles. Ton numéro ? Ça pourrait te servir. On pourrait peut-être rebosser ensemble et rattraper le temps perdu. Ouais, merci Padre. Je dois y aller. Que Dieu te protège. Non mais c'est pas vrai! Alors on a une jolie map là-haut. Pour bien pouvoir se repérer. Et on va suivre tout bêtement. Alors pour l'instant je me prononce pas puisqu'on est quand même dans des environnements qui sont très cloisonnés. Oh, comme dans le présent, ça a pas changé. Hein. L'étage, j'en sais rien, mais on y va. Hein. Pup, poup. Oui, un parking pour les voitures, c'est généralement mieux. T'en es où ? Je suis sur place. Je vais rejoindre ton gars. Avec ça, bon, tu verras. Tu fais confiance comme un frère. Oui, mais bon, tout est fait pour que ça se passe pas bien normalement. Ah, il y a de la caisse, les amis. Oui, il y a de la caisse. Alors, normalement, j'ai une touche pour... J'ai une touche pour déclencher quelque chose de cyber, là où j'y vois mieux quelque chose, ça me map. Je peux faire quelque chose pour toi ? Je t'avais pas vu, mec. C'est toi, Rick ? Ouais. T'es avec Kirk ? Ouais. Les caméras sont HS. T'as 20 minutes. Allez, go. J'ai 20 minutes pour trouver la caisse. Et me tirer avec. Kirk, je vois la caisse. À toi de jouer, petite. Bonne chance. C'est le moment de tester ta super tech magique. Ta confiance me bouleverse. Tu vois ? On est riche. Maintenant, démarre là et appelle-moi quand tu seras sur la route. Je te dirai où aller. Waouh. Eh ben, on dirait que ça va le faire. Descends. Quoi ? Descends de cette caisse. La refill est à moi. Hé, hey, qu'est-ce que tu fous ? Catch une goggles. Pas au geste! C'est fini pour vous! Restez où vous êtes! Les mains en l'air! Pas de geste brusque! À plat ventre, enculé! Allez! Jackie Wells, mon vieux pote de Haywood, t'as toujours pas retenu la leçon à ce que je vois. Hey, officier Stins! Ça fait un bail, hein? C'est Inspecteur Stins. Même merde. En parlant de merde, je reconnais ta gueule. Allez, crache le morceau, oh bah j'attends. Merde alors. Un poulet qui cause. T'étais parti chercher le bonheur à Atlanta. Faut croire que tu l'as pas trouvé. J'ai toujours dit que la vermine de Haywood avait le même cycle de vie. Vous naissez, vous vivez, et vous crevez ici. Faut croire que j'avais raison. T'as perdu ta langue ? Vous savez que dalle sur moi, du con. Ah, y a que la vérité qui blesse. Mais reste poli si tu veux pas que je m'énerve. Allez quoi, Steen, soyez sympa. Si vous nous bouclez, on va se tourner les pouces jusqu'au procès, et après ? Au pire, on prendra quelques mois. Le trou est plein à craquer en ce moment, alors à tous les coups, on sortira en avance. Ce sont eux les voleurs ? Merde, pas lui. De bas étage ? On les a appréhendés, monsieur Fukioka. On les emmène au poste. Pas la peine, c'est inutile. Je n'ai vraiment pas de temps à perdre avec un témoignage ou une enquête. Quoi ? Dois-je les relâcher, monsieur ? Je suggère de les balancer à la mer.
menotté et les jambes brisées pour être sûr qu'il reste au fond. Exécution. Et merde. Ça commence très bien. Pour être honnête, pendant une seconde, j'ai cru qu'on allait peut-être pas s'en tirer. Putain, moi aussi. Stins, c'est pas un marrant. Mais au moins, il lui reste un peu d'honneur. Tu crois vraiment que c'est son honneur qui nous a sauvés ? Ouais. Enfin, ça, il fait qu'il soit de Haywood comme nous. Si je m'étais pas pointé, tu te baladerais dans Night City en refilt, là. Oh, arrête. Ce job était moisi depuis le début. Même la tech au black de Kabuki peut pas déjouer une alarme comme ça. J'aurais dû me douter que les flics me tomberaient dessus. Va savoir. C'est peut-être la volonté divine. Jackie Wells. V. Je te connais, toi. Tu traînes au Coyote, non? Ouais, c'est au Coyote qu'on m'a proposé de voler cette caisse. Kirk. Tu bosses avec ce Radego? Pépé lui doit du fric, mais il est fauché. Alors j'ai proposé de l'aider. Il tourne pas rond, Pépé. Pourquoi il laisse un moudube comme Kirk le traiter comme ça? T'es pas au courant? Il a le soutien des cartels. Les cartels? Non, non, non. Je connais les types des cartels et je peux t'assurer qu'ils ont jamais entendu parler de Kirk. Mais le cabron, je vais lui apprendre qu'on baisse pas les gens de Haywood. Allez, viens. On va grailler un truc. On graille? Tu vas halluciner sur le chili de ma mère. C'est le meilleur de la ville. J'ai un bon pressentiment. Sur quoi? Sur nous. Je sens un genre d'alchimie, pas toi? Ouais. Allez, viens. Je crève la dalle. Ok pour la bouffe. Je te suis. Alors, je vous avais promis une surprise, mais ça va pas tarder à aboutir, je pense. C'est Stanley qui vous parle, et c'est une nouvelle journée qui nous attend dans la cité des rêves! J'adore notre bonne vieille ville. Je l'aime comme on peut aimer une mère qui vous a chié 20 ans plus tôt devant un orphelinat et qui vous arrête dans la rue pour vous demander une clope. Chaque jour, une centaine de personnes débarquent ici, mais moins de la moitié de ces pommards survivra une année, et encore, si l'année est bonne! Pourquoi ils viennent tous à Night City, alors? Eh ben, pour devenir un samouraï des rues comme Morgan Blackhand ou Wayland Boa Boa! Plus on prend de risques, plus on peut gagner gros! Hein, c'est ce qu'on dit, en tout cas. Mais on peut pas rester autant très longtemps, la vie se consume vite quand on la brûle par les deux bouts! Wouh! Ou alors, une balle. Oui, je vous avais dit qu'il y aurait une surprise. Réveillons cette action au ralenti. La plupart des légendes de cette ville, vous savez où elles sont aujourd'hui? Au cimetière! Peu importe d'où vous venez, peu importe par où vous commencez, ce qui compte, c'est le chemin que vous allez suivre. À Night City! La cité des rêves! Donc oui, le personnage que vous avez vu dans le miroir, c'était moi, c'était bien moi. La fille qu'on cherche est quelque part dans ce bâtiment. Ça doit être le repère des Penderos qui l'ont kidnappée. Ouvre grand les yeux et les oreilles, ok? Ça me fait penser. J'ai un petit cadeau pour toi. Un éclat d'entraînement de Militech. Si jamais tu veux te remettre à niveau. Ça te dit un petit exercice de tir en VR? Ok, pourquoi pas. Nous allons commencer par un entraînement aux bases du combat. La séance sera enregistrée à des fins d'évaluation. Ah.
Ce parcours vise à renforcer vos fondamentaux en matière de combat et à aiguiser vos réflexes. Les compétences que vous apprendrez ici vous permettront de survivre et même de briller sur le terrain. Je vous apprendrai à utiliser des armes, des techniques d'infiltration et des moyens de pirater les réseaux de l'ennemi. Car chez Militech... Ils sont nuls en codage chez Militech. Par contre, la formation de Troufion, c'est leur truc. Bref. Poste 1, la bleusaille. Et hop, pas de course. Allez! J'espère que t'es prête à te bouger les fesses sur ce parcours fasciste. Oui. On va se faire une petite séance de tir tactique, histoire de s'échauffer. Que ce serait pas trop dur pour toi. Qu'est-ce que tu dirais si on pimentait un peu les choses? T'as vu? Il est venu avec des trucs cette fois-ci. C'est quoi faire? Sur la plateforme pour passer à la suite. Pour la suite, je te propose du piratage. Tu verras que j'ai légèrement modifié le matériel pour le cours. Ce module d'entraînement t'apprendra à employer des outils technologiques en situation de combat. Sérieux, avec les corpos, même le piratage, ça a l'air chiant. Fais déconner l'écran en le piratant pour distraire le garde. Avant le fond. Bien. Maintenant, neutralise-le discrètement. Bien. Il est à toi. Neutralise-le. Attention, il vaut mieux éviter de laisser des traces de ton passage. Et surtout, des cadavres. Ramasse le corps et va le planquer quelque part. Tu te sens prête à pirater des pommards en temps réel? Éclate-toi!
D'accord, donc il va falloir augmenter ses capacités de hacking pour avoir plus de coups et pouvoir manipuler plus de choses en même temps, simultané, pour pouvoir foutre le bordel un petit peu. Ça, c'est pas mal. Alors, charger le démon pique à glace, vous devez créer assez sans compte. Ouais, j'ai pas tout compris, mais admettons. D'accord. On va essayer ça en vrai. Vas-y, fais péter la grenade. C'est bon ça. Aux choses sérieuses. C'est parti. Non, j'ai pas encore toutes les commandes. L'ascenseur. Ça va vite rentrer. Tu veux gros? C'est moi qui fais tout? La cible s'appelle Sandra Dorset. Son biomoniteur a cessé d'émettre il y a quelques heures, sûrement en enlèvement. Impossible de savoir si la cible est en vie. Vous arrivez peut-être trop tard. Eh, hey, on va arriver à temps, Bug. On. T'es peut-être que dans nos écouteurs, mais tu fais partie de l'escouade. L'escouade? Charmant. Bug, tu pourrais au moins essayer d'être sympa. Sympa, réconfortante. Y a pas marqué ligne de l'amitié là. Trouvez le 1237. La cible devrait être à l'intérieur, mais j'ai pas de visée sur son biomoniteur. C'est toi ? Avec un peu de chance, on n'arrive pas trop tard. Ah, je déteste quand ça se joue sur le fil. Maniez-vous. Essaie de pirater la porte. Est-ce que je peux compter sur toi, V? Sandra Dorset dispose d'une immunité corpo d'échelon 2. C'est du gros poisson. Et celle-là, elle est équipée de repos et d'attaques de contrebande, clairement du boulot de seconde zone. C'est pas notre fille. On continue de chercher. On va aller vite, hein. Attention.
on va danser. Oh, ramenez-la. Ça grouille encore de des os. Faites le ménage, éliminez-les. Évitez d'exposer la cible au tir ennemi et évitez surtout de vous prendre une balle dans le dos. Fais leur gicler, le cerveau, mais... Allez. Ils vont voir. T'es tout le temps devant lui. Ça fait beaucoup d'éléments à gérer, hein. Dans le décor au début quand on commence, c'est un peu le bordel. Parce qu'on est attiré partout, on a envie de tout ramasser, on sait pas à quoi ça sert, on prend pas le temps. Ok, que pasó? Encore super habitué à ces commandes. Oh, j'essaye au pad quand même. Il y a moyen que ça se joue pas mal quoi. Oui, il ramasse tout. J'espère que j'ai des super grandes poches quoi. Il devait lire message. Putain de bordel de merde. Merde. Ça y est, je crois que j'ai trouvé notre cible. On arrive à temps? Elle est vivante? On va vite le savoir. V, connecte-toi à son biomoniteur, je vais évaluer la situation. Je me connecte. Sandra Dorset, NC570442. Trauma Team Platine. Platine? Merde. La trauma aurait dû débarquer avant qu'elle ait le temps d'éternuer. Ils ont dû brouiller le signal du transmetteur. Ça doit être un piratage de biomoniteur, une reconfiguration de micro-logiciel ou un neurovirus. Carraro, T-Bug. Il y a juste des baignoires, de la glace et du matos de boucher ici. La tech peut pas être complexe. Ok. Du boulot de bouffeur de scope, donc. J'ai une idée. Regarde son aéroport. Si tu vois un éclat, retire-le. C'est ça qui doit bloquer le biomoniteur. Ouais, il y a un éclat. Je le retire. Regarde son biomoniteur. Ça change quelque chose? Bonjour, Sandra. Si vous êtes consciente, mettez-vous en position latérale de sécurité.
Une équipe d'évacuation d'urgence est en route. Elle sera sur place pour la prise en charge dans 180 secondes. La trauma sera là dans 3 minutes d'après le biomoniteur. Votre régime premium couvrira 90% des coûts estimés du sauvetage et du traitement. Pobrecita. Faut la sortir de la glace. Pas. V, dis-moi ce qui se passe. Jackie, air, Hippo. Merde, ça craint. Attrape, Chica. Je crois. Putain, ça a marché. Voilà, Chica. Emmène-la dehors. Voilà, sors-la d'ici. La terrasse. C570442 sécurisé. Administration des stimulants suivants. 70 mg de dopamine, 110 de noradrénaline, 800 de fibrinogène. Enfin, un petit break là. Oui, je suis silencieux. Bah, je suis comme vous, moi. Je profite de la découverte. Ah, c'est quand même très chouette. C'est très rempli. Surtout ce qui est quartier très dense, très condensé, où on voit pas super loin. C'est totalement crédible. Moi, il y a un truc tout à l'heure que j'aurais bien aimé vous signaler. C'était concernant les distances éloignées. Où je trouve qu'il manque, je sais pas, une espèce de flou. Parce que tout ce qui est loin est supposé être flou, quoi. Et là, ça reste très très net, et c'est super désagréable. C'est à cause de ça qu'on voit énormément le zonage du jeu. Et j'aimerais bien que ce soit corrigé rapidement. Mais bon, c'est un petit chipotage esthétique, hein. Mais il joue beaucoup, je trouve. Viens, on se casse d'ici. Ouais, on se tire. L'ascenseur va direct au garage. J'ai même plus mon jouet. On a réglé ce merdier. La porte, allez, on peut faire. Allez, moi je me déconnecte. On se reparle bientôt. Chica, j'ai un truc à faire. Ça t'embêterait de me prêter ta caisse? J'ai un rencard avec Misty, mais je peux pas prendre le métro. J'aurais l'air de quoi? Je vais pas te laisser en plan, Jack. Mais juste pour cette fois. Watson, tu te souviens? Ah merde, c'est vrai. Je suis parano. Ah merde, je le savais, il y a une camionnette qui nous suit. Pardon. Mais j'aime pas ça du tout. Désolé.
vie, mais pas la d'enculé. Putain, rouge, Jackie. Allez, vite, jingle la main. Jackson, arrête de zigzaguer. Accroche-toi, V. Merde, pardon. Je sais pas ce que j'ai déclenché, mais c'était sûrement pas ce que je voulais. Wouhou. Spécialement. Vous avez un cœur en or. Et seule une personne avec un cœur en or peut comprendre que je dois à tout prix rejoindre ma dulcinée. Votre dulcinée. Ouais, elle va se faire un sang d'encre si je rentre pas. Mais je veux dire, tout ce que je veux, c'est faire les choses bien. Elle me laisse une chance, vous voyez. J'ai une raison valable. Regardez-le. Pas le citoyen modèle, c'est vrai, mais c'est un bon petit gars. Laissez-les passer! C'est les derniers! Ok, allez-y. Je vous souhaite une bonne soirée, madame l'agent. Donc, tu peux être sympa quand tu veux. Quand est-ce que je suis pas sympa? Tout le temps? Je suis jamais pas sympa. Alors, il y a peu de chances que tu puisses rentrer à Haywood. T'inquiète, mais ils vont me laisser passer. J'en ai bien sûr. Mais oui, je vais encore faire le Jackie sympa. Le portail est encore bousillé. C'est la troisième fois. Débrouillé. Allez, vas-y. J'ai payé deux fois pour le faire réparer. Ça doit être une Me balade, hein, j'en profite. Alors, je crains envie d'aller dehors faire un tour pour vraiment profiter un peu de l'ambiance du jeu qui a l'air vraiment bien foutu, parce que c'est vrai que c'est quand même rempli, hein, on peut pas dire le contraire. Donc, quand je chipote pour des petits détails, on peut dire que c'est du chipotage, parce qu'il y a une masse de boulot qui est conséquente. Et c'est vrai que le jeu s'est fait massacrer parce que tout le monde
Les streamers, la plupart du temps, leur job, plus que des critiques, c'est des trolls. Essayez de trouver le petit truc qui va pas, la petite merdouille. Moi, ce que je vous ai situé, je pense que c'est raisonnable, puisque c'est vraiment des trucs qui sont pas... qui sont pas des petites broutilles, quoi. Et sur la façon dont est gérée la gestion des pâtés de maison, apparemment, je pense qu'on découvrira qu'il va y avoir des petits soucis. Mais ça, on va le faire plus tard. Je vais faire une pause ici. Puis on se retrouve bientôt pour des aventures cyber et je vais changer de corps. Oui, parce que, attendez, faut que je trouve un miroir. Il doit y avoir ça dans un coin, je pense. Que je vous fasse quand même bien voir comment je me suis fait plaisir. Il n'y a pas de miroir dans cette baraque? Ok, donc ça c'est ma cache où je stocke tous mes jouets. Ok, il n'y a pas de salle de bain, rien. La scène de la douche. Oh, mais même dans Death Stranding, ils y ont pensé, les gars. Ah, on peut faire du fashion. Ok. Je veux juste un miroir pour vous faire voir quand même ce beau personnage que j'ai créé juste pour vous. Ok, je suis en ray tracing et ça ne marche pas. Donc voilà, c'était Monsieur K. Monsieur K et son... Oh, on le voit pas. On va faire un beau sourire. Voilà. Monsieur K et son micro-pénis. Oui, oui, vous pouvez choisir la taille. Et vu que tout le monde a dû prendre des grosses bites pour les mecs, moi, je me suis fait plaisir avec ce personnage atypique qui est une voix de femme, je vous le rappelle. On va faire la pause. Ooh, yeah. Oh yeah. Oh yeah, yeah. Non, je n'arrêterai pas de me regarder. Et donc oui, vous allez pouvoir délirer sur la création, même si on sait très très bien ce que tout le monde va créer, puisque vous allez voir le cul de ce personnage se dandiner pendant des plombes, je pense. Et on retournera très bientôt dans ce cyberpunk pour voir ce qui se passe côté environnement. C'est ma grande curiosité, parce que je pense qu'il y a un boulot fabuleux qui a été fait. Et après, niveau action aussi, voir comment ça se déroule, et puis prendre un peu les commandes en main, parce que je les ai toujours pas. Allez, j'arrête de me regarder, parce que vous allez faire des cauchemars. Oh, il y avait même pas ma micro-bite. Je suis déçu, quoi. Je vais me doucher, regardez pas. Playlist, bouton d'abonnement. Ça va faire du bien. Ouf, pile la température, j'ai... Oh yeah, crème fraîche.